depuis longtemps l'épreuve de la toilette à laquelle m'invitait la porte de la salle de bain ouverte. Je ne pouvais éviter plus longtemps ce cauchemar. Je me levais, me tins droit devant le grand miroir et commençais d'enlever un à un mes vêtements. Ce que je vis de mon reflet nu était parfaitement rassurant. Le cou, la poitrine, le visage et les cheveux étaient les miens. Mais que je touche une partie de mon corps et j'y sentais la toison tiède et veloutée d'un rat. Voilà ce qui est difficile à comprendre. Il ne restait plus que mon propre regard à ne pas percevoir la bestiole que j'étais devenue. Je tâtais, je reniflais, j'entendais tout du rat qui avait investi mon être, mais je ne le voyais pas. Ainsi, dans le miroir, mon corps tout entier avait conservé sa fraîcheur alors que j'exhalais des remugles de fouine, que je couinais de vagues sons gutturaux et que la peau de mon ventre avait sous mes doigts la mollesse écœurante d'une besace velue égorgée de tripes. Je n'avais d'autre issue que de laver mon corps dressé sans quitter du regard son reflet dans la glace. On se demandera sans doute comment je pus continuer de vivre ainsi, et pourtant, je tins bon. Je m'en sortais, en quêtant tout ce qui m'offrait le reflet de l'homme ordinaire que j'avais été, dont les traits n'avaient que les marques d'une existence banale. Au bout de quelques jours, je décidai de ne plus laisser un seul pan de mur à l'étage dépourvu de miroir. Un matin, je conjurai Félice, au travers de ma porte entrouverte, d'acquérir autant de glace qu'elle pourrait en dénicher en ville. Ma bonne Félice m'aida, sans plus de questions, à réaliser ce qui devient bientôt l'antre d'un honnête et invétéré collectionneur de miroirs et psychés en tout genre. Ainsi, je me supportais. Me restait à savoir ce que d'autres yeux que les miens distinguaient de ma propre apparence. Jusque-là, je m'étais caché du regard de ma bienveillante logeuse, j'étais resté terré à l'étage. Un matin donc, je tentais l'expérience. Je quittais mon lit, je quittais ma chambre, nu, et je sortis ainsi sur le palier. Je me tins debout, immobile en haut de l'escalier, attendant patiemment que Félice, comme chaque jour à cette heure, monte à l'étage. Mes orteils cramponnés, je m'agrippais au rebord de la marche et lissais le pelage du sommet de mon crâne. Je dressais l'oreille et le museau, presque fier en somme d'affronter ma nouvelle situation. Alors, j'entendis les pas feutrés de Félice gravir lentement l'escalier. Je la vis apparaître. Je la vis d'en haut, elle ne pouvait pas encore me voir. Je vis ses cheveux, ses épaules, puis tout son torse se basculer légèrement en montant. À mesure que le moment s'approchait, j'allais apparaître à ses yeux, qu'elle déplaçait pesamment son corps, qu'elle en soulevait la masse tout entière, que ses muscles la tiraient lourdement d'une marche à l'autre, alors qu'elle allait dans un instant se tourner en effleurant de sa main la rampe, alors que ce temps qui nous séparait de la confrontation s'amenuisait. J'encaissais l'ébranlement de mon cœur qui frappait et tout son poids pour sortir. Félice ralentit l'ascension, elle marqua une pause à mi-hauteur et sans doute entendit-elle mon souffle. Elle leva les yeux vers moi. Je vis bien son visage ahuri, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Aucun, devrais-je écrire, car elle dit « Mais monsieur, vous n'êtes pas suffisamment couvert. » ma bonne Félice avait une fois de plus le mot juste à mon égard. J'avais froid, c'était un fait. Tout nu sur le palier de l'étage, mon pelage pourtant fourni n'aurait su me suffire. Il fallait que je rentre. On imaginera aisément que la mansuétude que Félice me témoigna apaisa mes angoisses. Je rentrai, traversai le couloir longé de miroirs suspendus à hauteur de ma tête et branchai la radio. Alors, ce même matin, qui venait de voir ma logeuse adopter mon état, il advint autre chose. Pour la première fois, je saisis le sens des hurlements des chiens. Je comprenais leurs invectives. Je comprenais ces sons qui n'étaient jusqu'alors que des aboiements à mes oreilles. Je les entendais haranguer les meutes, les enflammer en implorant la grandeur de l'Allemagne. Maintenant que j'avais en commun avec eux le museau et les poils, je saisissais leur langue. Je pourrais désormais me montrer au grand jour. J'allais pouvoir me fondre dans la meute, sortir en ville sans me faire arrêter. J'avais maintenant droit de citer ici.